Hey, salut à tous, c'est Monsieur Papus46 pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Go. Aujourd'hui, les amis, je vous montrerai un petit quelque chose qui va vous permettre de jouer sans les mains, de vous déplacer sans rien faire pour tout simplement faire éclore vos œufs à une vitesse hallucinante. Bon, bien sûr, il faut quand même compter un délai vu que le personnage va marcher, mais ça va aller à une vitesse extrêmement rapide. Vous n'aurez rien besoin de faire, c'est-à-dire si vous avez besoin d'aller faire un tour quelque part. Vous laissez faire et ça va marcher tout seul. Donc là, tout simplement, donc je me mets d'abord avec ma flèche ici vers le nord. Voilà, donc ensuite je clique sur le petit clavier pour qu'on voie la boussole. Donc sachant que la boussole, on peut la camoufler. Donc je vais vous montrer comment. Donc par défaut, je vous conseille d'être en ZQSD. Donc sachant que Z, c'est la touche pour le nord et que... Alors... Par défaut ZQSD, voilà, ça ressemble à ceci. Et donc tout simplement on va aller vers l'est. Voilà, on va marcher vers l'est. Donc là en l'occurrence pour passer sur les Pokéstop. Hop. Donc du coup je vais enregistrer. Donc par défaut vous voyez la boussole apparaît. Donc moi je l'ai carrément camouflé. Donc je fais confirmer. Donc je vais me mettre dans ma position est. Et donc vous voyez tous les Pokéstop que j'ai à portée de main. Donc vous recliquez sur le clavier et là tout simplement donc vu que c'est vers l'est, vous modifiez votre touche par la touche Q et donc bah, en face vous mettez votre autre lettre et là vous cliquez sur sauvegarder. Ici vous voyez qu'il est marqué remarque, pressez Q plus 1 pour activer ou désactiver le contrôle clavier. Et donc tout simplement vous allez faire Q1, voilà, et là vous avez donc désactivé le contrôle clavier. Donc normalement ça s'affiche à l'écran mais pas tout le temps. Et donc tout simplement donc le fait de le désactiver, voilà, contrôle clavier désactivé, ça va vous faire marcher. Voilà, tout simplement. Vous pouvez rester comme ça pendant 5, 10, 15, 20 minutes, voire plus. J'ai pas honnêtement testé des 1000 et des 100, mais voilà, ça peut être utile pour ramasser tranquillement. Donc là en l'occurrence je ramasse des Pokéstop. Et en même temps je fais donc avancer mes œufs tout tranquillement. Donc ça va extrêmement vite. Donc voilà les amis. Partagez cette nouvelle méthode pour pouvoir éclore les œufs très vite. Avec un petit like, ça ferait très grandement plaisir. Un petit commentaire si vous avez utilisé cette méthode ou bien si vous comptez l'utiliser ou autre commentaire quelconque. Il n'y a pas de problème les amis. Si vous avez besoin d'un renseignement, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous amuser dans... Regardez, hop, j'ai les mains là. Hop, je prends le Pokéstop. Regardez, j'ai mon autre main là. Voilà, j'ai les mains là et hop, ça se fait tranquillement. Voilà, donc ça fait un petit moment déjà que je m'en sers là dans la journée. Ça fait 2-3 heures environ que je m'en sers. Et ça marche très bien, voilà. Alors, vous allez me dire, ouais, là. Donc, pour le réactiver, vous refaites pareil. Q plus 1 et voilà, vous remarchez vous-même. Donc là, admettons, je vais aller voilà sur les bordures. Là, en l'occurrence, attendez. Hop, on va aller dans le nord, voilà. Comme ça, j'utilise mes bonnes touches vers le sud. Voilà, donc là, vraiment, j'utilise le clavier. Normalement, ça va s'entendre. Mais voilà, ce petit tuto, j'espère qu'il aura été assez rapide et assez explicatif pour vous. Les potos, un petit like, un commentaire. À la prochaine pour d'autres vidéos. Bye les gens!